Alors, vous êtes prête? Oui. Alors, il y a quelqu'un qui veut devenir maire qui propose d'augmenter le nombre de policiers. Pourquoi vous n'êtes pas d'accord? Pourquoi comme ça? Parce que ça dépend des fois. Des fois, il y en a trop, des fois, il n'y en a pas assez à certains endroits. Il y a quelqu'un d'autre qui propose de sécuriser le chemin pour aller à l'école. Par exemple, pour faire des trottoirs plus grands pour que les enfants ils puissent circuler plus facilement. Ouais. Parce qu'il y a des endroits, il n'y a pas trop de place pour passer. Vers le cinéma, par exemple, il n'y a pas énormément de place. Et vers l'école, parce que les moments, quand on est sur un trottoir, on peut lâcher la main, je vais devant et après on refait pareil, ils nous donnent la main et après c'est pareil, je vais devant. Ok. Alors, il y a quelqu'un qui propose de créer une brigade canine, ça veut dire des chiens, des brigades de chiens. Toi, bof. Alors, toi, t'es pas d'accord. Pourquoi t'es pas d'accord? Bah, ça servirait à rien. Tu penses que ça servirait à rien du coup? Bah oui, ça servirait pas à grand chose. Ouais. Surtout pour les handicapés et ceux qui voient mal. D'accord. Ceux qui sont... Alors, il y a quelqu'un qui propose d'installer des nouvelles caméras de surveillance dans la ville pour surveiller si les gens ils font des choses bien ou pas bien. Partout? Oui et oui. Oui et oui? Oui et non. Oui et non. Alors, pourquoi oui? Oui, parce que comme ça, les voleurs, quand ils volent, ils pourront voir s'ils volent ou pas, ou s'ils veulent juste regarder pour voler des sous. Et non pour ceux qui volent pas. Vous savez, par exemple, parfois dans les immeubles, il y a un gardien. Oui. Et il y en a qui proposent, au lieu de mettre des caméras de surveillance, de privilégier les gens, en fait, de mettre des gens qui pourraient surveiller, par exemple, dans les immeubles, des gardiens, plutôt que juste des appareils. Oui, parce que ça permettrait d'intervenir plus vite. Ouais. Ce serait moins grave si une personne a fait du mal. Et toi, pourquoi t'es pas d'accord? Parce que ça sert mieux des caméras au lieu des garçons, enfin des gardiens, parce que les gardiens, s'ils sont fatigués, ils n'ont pas le droit de dormir. Alors, il y a quelqu'un qui propose d'interdire les squats. Oui. Ouais, toi tu penses que c'est bien? Oui, parce que les gens, en général, ils boivent de l'alcool, ils laissent leurs déchets là où ils étaient, mais du coup, ça pollue. Et ça te fait te sentir moins en sécurité aussi quand il y a des gens comme ça? Oui. Ouais. Parce que quand ils sont bourrés, ils sont bêtes, donc ils peuvent faire du mal. Sinon, est-ce que, par exemple, l'école, vous vous sentez en sécurité? Oui. Ouais. Et quand vous vous promenez, quand vous restez vers le restaurant, quand vous jouez, il n'y a pas de souci? Oui, à certains endroits, c'est pas très... mince. C'est pas très sûr? Ouais, c'est pas très sûr. Vers le parc, il y a des bancs ou derrière, de l'autre côté de la place. Sinon, il y a plein de gens qui squattent, qui boivent de l'alcool. Et qu'est-ce que tu ferais, toi, si c'était toi qui étais maire? Tu ferais quoi pour que tout le monde se sente bien dans sa ville? Bah, j'essaierais de voir les propositions que des gens ont pour améliorer et je ferai tout ensemble et j'améliorerai.